Son blaze, m'ont dit qu'il avait pas d'Insta, pas de Spotify, pas de clip. Je me suis dit, j'espère au moins qu'il s'est rappé. En arrivant, j'ai écouté les maquettes qu'il m'a envoyées. Maintenant que je comprends mieux pourquoi il s'est caché, j'espère au moins qu'il s'est clashé. Parce que faire de l'impro dans des caves devant 4 MC à mi-temps, c'est bien. Mais faire un son, t'as du mal. En soirée, c'est pas que tes potes veulent pas que tu rappes, c'est qu'ils savent pas que tu rappes, yo. Non, parce que ce mec, c'est un putain de fantôme. Sur internet, on voit sa race nulle part à part sur Pac-Man. À la fin de ce clash, on le retrouvera à plat dans sa pisse. Ça fera le logo de Snapchat. Non, parce que j'aime pas cette expression, mais force est de constater que de cette ligue, je suis le GOAT. Je suis impeccable d'entrée. Lui, rajouter un S avant le T. Elle était compliquée sans les deux mains, celle-là. Désolé. Allez, hop, on continue. Yeah. Pour pas nous surprendre trop tôt, en bon fantôme, t'essayes de cacher tes sons. Maintenant, je comprends mieux pourquoi personne t'a vu à la radio de la clé des ondes. Yeah. Non, parce que moi, pour obtenir des réactions, j'ai ficelé des rimes bout à bout. Lui, il a juste à faire bouh. Yeah, yeah. Puis de toute façon, c'est pas assez pro ta merde, même si t'as pas les épaules d'admettre. La victoire est derrière toi, et pour ce clash, j'ai même pas besoin de te passer sur le corps, je peux passer au travers. Et puis comme j'avais zéro info sur ce mec, je me suis dit qu'il était minuscule. Donc maintenant, il est tout petit. Yo. En vrai, fuck, je suis Luigi, t'es que Casper. Tu fais à peine la taille d'Amgès. Moi, celle d'un iceberg, voire celle du crâne beige d'Amgès. Hein, mon petit bout, t'es le plus petit de tous tes couses. Dans la rue, tu prends pas de coups d'épaule, tu prends des genoux. Tu rends les gens du troisième rang jaloux. T'es tellement petit qu'à la fin des cours, ton camarade te range et dans sa trousse. Yo. Yo. Non, parce que ce mec, pour faire le tonton, il se crée des scénars où c'est la loose. Il dort dehors, perd l'amour. Mais la plus grande épreuve qu'il a traversée, c'est la route. Time. Allez Léo. Mec, t'as l'air. Ça va ? Ti. On m'entend ? Ouais, okay. Mec, t'as l'air un peu stressé. On dirait que je battle pour toi, c'est des places et des montagnes. T'as dit que t'étais gros comme le crâne de Ramjes, t'auras jamais autant de charisme que son crâne. Je me présente, je suis un escroc. Ouais, j'ai quelque chose à déclarer. De base, moi, je fais que de l'impro, c'est mon premier battle préparé. Alors, je sais pas, on m'a dit sans un crew, c'est des fous, c'est les meilleurs de leur canton. Mais moi, premier battle, on m'a mis main event face à leur champion. Dans ce battle, moi, je suis l'outsider. Je me suis pas mis trop de pression. Toi, t'es suivi par Rap Contender et tu finis à Rafale Session. Tu clashes un mec qui a pas d'Insta, pas d'équipe et même pas de son. Justement, désolé de te dire comme ça, mais frère, pose-toi les bonnes questions. T'as une page dédiée ? Un projet sur les plateformes et tu me battles moi pour cette édition ? Cusco, ce soir, Willy West t'a pris pour l'empereur des pigeons. Et en même temps, vu ta dégaine, gros, t'es un Yankee, ça se ressent. Regarde-moi, frérot, même moi, je trouve que tu fais du rap de blanc. Peut-être que je parais sérieux, mais j'ai mon petit côté farceur. Je viens pénétrer dans ton cerveau, tu peux m'appeler le dictateur. Là, je vois que ton visage pleure, t'as le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Toi, pour régler tes embrouilles, tu passes par le législateur. T'es tout moite, en direct tu sors d'un bromisateur. T'as compris, je suis le prédateur, toi t'es l'oiseau migrateur. Mec, tu me fais même pas peur. De base, je croyais que t'étais un spectateur. Et si je rentre pas dans les légendes, ben je rentrerai avec ta sœur. D'entrée de jeu, j'ai vu que t'étais weak. Mec, t'abuses sur la diététique. Ta moustache est ambiguë. Au début, je croyais que t'étais flic. T'es pas un cas, t'es hérétique. T'as des tics, t'es tout frénétique. Si je parle de ta petite bite, tu vas me répondre. Mec, c'est la génétique. Et on m'a envoyé un screen hier, ça profite du fait que j'ai pas Insta pour me vanner dans les commentaires. Mais le seul projet X dans lequel j'ai tourné, bah c'était avec ta mère.
Une impression de déjà-vu, pour toi c'est l'heure de la rédemption. Ce soir je viens te mettre à nu pour mieux te la carrer dans le fion. MC t'es pris dans mes rouages, faut pas pleurer, viens pas te plaindre. Tu t'appelles Cusco les nuages, ben je vais t'envoyer les rejoindre. On va introduire le deuxième round. Ouais, time. Excusez-moi. Sigwit. Yo. Donc comme je vous ai dit, cet enculé est venu battle sans info, sans matière. Donc sur ce deuxième round, je les encule et mets vos pseudos code de clash entre parenthèses. Fidèle à mon blaze, je suis venu cracher sur la salle entière. Yo. Je sais que ce genre de phase ne va pas plaire aux concernés, mais en un clash, j'ai inspiré le respect d'anciens de ce milieu et créé de nouveaux complexés. Pour cette édition, je suis main event, évidemment. Mais ce qu'ils t'ont pas dit, c'est que Kimaï s'est chié dessus si ils t'ont texté. Yeah. Mais c'est qui, il ? Quatro, Grand Parc. Yo, tu shout-out le Grand Parc, mais là-bas, les petites raquettes et les grandes frappes. La seule fois où des bandits t'ont appelé, c'est pour ta tête de gros boulanger. En plus, ils savent que tu vas rester loyal. Tu sais que faire le beau ou manger. Yo. 33-3-0. Je reviens après. 33-3-0. Comment tu veux porter Bordeaux sur tes épaules alors que tu soutiens même pas la pression de cette cave? Votre ligue, vous sortez que de la merde. Votre ligue, c'est la session Smecta. Vous êtes que des trimards de plus à fumer. Vous avez pas de nom de crew. Ce soir, je vous baptise la section Secpa. Avec comme chef des opérations... J'arrive. Avec comme chef des opérations, Nico. Qui a ouvert moins de fois Spotify que son Dico. Cet humain est la preuve que Tchernobyl n'a pas laissé les couilles de beaucoup d'hommes intacts. Ou peut-être que quand il était dans le ventre de maman, de tata, papa lui faisait subir de forts impacts. Comme il a dit, il est dyslexique, dysmorphique, bref les 10. Il a comme un pack. Yo. Puis Léo, ici tout le monde te prend pour Vlal Bizu. C'est tellement récurrent que j'en prends l'habitude. Même Nick au premier pense que tu manques d'attitude. Ça m'a fait mal. Et puis fuck, je vais même pas parler de Willy West, ce beau Vietnamien aux allures siciliennes, il est super en speaker, qu'il y reste. Et puis en vrai, j'ai sûrement écrit ce round parce que tu méritais pas que j'en écrive un deuxième sur ta gueule, parce que pour moi t'es naze, mais maintenant qu'on peut établir plus clairement le profil des créateurs de cette ligue de battle, on comprend mieux pourquoi t'es là. Je suis désolé les frères. Time. Ok, je t'ai entendu faire ton round, c'était plein de rimes, de boulets. T'as dit que Kimaï s'est chié dessus? Frère, t'es mon second choix, au début c'est lui que je voulais. Ok, j'ai parlé de son projet, ça s'appelle Matière Inerte. Voilà, Matière Inerte, je sais c'est bizarre mais ça fonctionne. Inerte c'est parce qu'aucun de ses sons a jamais fait bouger personne. Matière c'est peut-être pour ces gouttes de sueur sur ton visage. Matière Inerte, franchement c'est grave à ton image, parce que tu respires pas la vie. Je dirais même que tu pues la mort. Frérot, t'abuses, tu dors avec le cadavre de ton labrador. Et un conseil à tous, le laissez pas traîner près de vos fils, car il aime la matière inerte et son petit côté nécrophile. Cusco, t'es juste une pâle copie. Ouais, t'es pas nag, t'es art and go. Deuxième round et c'est déjà plié, t'es tout gonflé, tu mâches tes mots. Les grands dadés comme toi, je les bois, comme des shooters à l'apéro. Je pourrais te coucher en 9 secondes comme si t'étais Jordan Zebo. Ok. Comme si t'étais Jordan Zebo. Ouais, je vais te lâcher des sacrés punch, tu vas finir par t'y faire. Ta dentition me donne envie de m'engager dans l'humanitaire. Ton flow, c'est de la matière inerte, donc tu passeras pas l'hiver. C'est le seul MC qui a moins de flow qu'il n'a de soins capillaires. Ouais, il a les cheveux plus longs que sa go, certains trouvent ça un peu malsain. Elle a les côtés du crâne rasé, comme l'ont toutes les punks à chiens. Et à voir ta tête bizarre, je sens que j'ai marqué un point. T'inquiète, après ma victoire, frère, je vais te lâcher un joint. Dans ton battle contre Tino, t'as dit « Premier battle, j'avais peur de pas assumer. » À prévisionnage, j'espère que t'es toujours pas rassuré. Gros, ça manquait de prestance de fou. Personne a mordu à la feinte. Pour ça que cette fois, avec ton crew, vous êtes venu à 5. À 5 ? Ouais. À 1000. Mais même si vous avez gratté ensemble et que vous vous donnez grave la force, sans un, c'est pas les Avengers, donc vous pourrez pas battre Thanos. Ok.
donc vous pourrez pas battre Thanos. Et ce MC vient pas du Bronx, non, il vient de Saint, mais d'Arangeal. Sur toi, c'est sûr, j'ai l'avantage, gros, tes punchlines sont lamentables. Tu t'en sortiras dans la vie grâce à ton piston parental. Mais franchement, arrête le rap, je te jure que ce sera pas rentable. Time. Yo, yo, vous m'entendez? Ça marche pas, là. Ça marche? Yo! Léo Dastan, tu sers juste à remplacer mon J du soir. Léo Pastan, Bédo Dastan, à la fin de ce clash, après t'avoir fumé, je t'écrase et je t'éteins. Mégo Dastan. Yo, yo. Fidèle à mon corps et à mon level, je suis venu clouer le spectacle. Vous avez plus de chances de me voir perdre ce battle qu'entendre un vrai couplet de ce mec-là. Il sait tellement pas écrire que ses flips sont mieux tournés que ses phases. Yeah. Toi dans le rap, tu te crois dans une série crarissée, validée. T'es un de ces gars matrixés qui crie bien mais qui ne sait pas rimer, qui favorise la haine à l'amitié. Tu me fais penser à Fox, ce serait bien trop de charité, je vais même pas te citer. Yo, yo, yo. Je vais même pas te citer, t'es en permanente recherche de street cred. Jusqu'à renier ton teint lit vide à fond. Si tu faisais des clips, tu collerais des affiches. Recherche figurant jeune, de préférence issu de l'immigration. Tu croyais qu'être blanc t'empêchait de faire du rap. En quatrième, il voulait se sentir intégré, il portait des durags. Y'a que quand il y avait couscous à la cantine qui demandait du rab. Yo, parce que dans tes sons, ça sert à rien de faire le gangsta, tu t'y perdras. Qu'est-ce que t'as ? À Bordeaux, personne te connaît. Ta plus grosse connexion, c'est Nerda et sa team du Néandertal. Je connais pas. Parce qu'il m'a envoyé un son, mastering freestyle V3, pour un rendu digne de Garage Band. En plus, tu dis que de la merde, c'est grave navrant. Tu poses même pas en rythme. C'est quoi, sur leurs 4 sons, y'a de la latence ou ton beatmaker fait la prod et toi, tu rappes avant ? Parce qu'à un moment, il me dit, à un moment, il dit que sa meuf, elle est trop bien pour lui. Bon, ça, c'est sûrement pas faussé. Mais juste après, tu dis que tu t'en veux de l'avoir amoché. Poteau, c'est pas OK. C'est comment ? Tu veux jusqu'au bout ressembler à tes rappeurs préférés ou juste auto-saboter ? Yo. Bref, bravo et merci aux organisateurs pour cette édition. Vous avez reçu une grosse pointure du Battle Clash. Mais restez calme et détendu. Vous, mes gars de Rap 101, qui maillez ce glandu ? Tout le monde ici sait que sans moi, Victor Lax ne serait jamais descendu. Time. Sur son Insta, il y a marqué « membre du gouvernement ». Ça confirme mon observation. T'es genre de bobo vegan qui a voté Macron. Et si lui est membre du gouvernement, c'est trafiqué à balles. Il a sûrement eu sa place comme Benalla ou Gabriel Attal. Donc arrête de faire le mec street, espèce de petit mytho. Dis-nous plutôt, t'as su c'est qui, Macron ou Philippot ? Ton flow manque de fluidité, j'entends rien que des trous d'air. Je suis sûr que tu gères encore moins de meufs que Boudère. Puis si je m'approche de toi, tu trembles, tu paniques, t'es tout vert. Ta meuf pour nous écarte les jambes en disant « c'est tout vert ». Si on parle de ta meuf, je dirais qu'elle est pas très fidèle, pas très discrète. Si on parle de bagarre, tu vas trembler, appeler le 17. Si on parle de tes sons, ils sont assez weak mec, t'es dans une sacrée disette. Genre produits périmés sur lesquels on met pas d'étiquette. Tu veux me clasher fillette, j'y crois pas, t'es si bête. Pénètre pas le périmètre où tu seras un sale fait divers. Je te mets des claques, des pichenettes, même des sacrés directs. Et je te laisse comme le nom de ton projet, comme une matière inerte. Donc arrête, t'as déjà perdu, ne gaspille pas ta salive. J'ai moins peur de me battre contre lui que contre Bill à Lassani. Mes 3 rounds étaient solides, tes 3 rounds étaient bancales. Je baisse ta meuf, elle dit « Y'a mette !» comme si c'était dans un hentai. Je pourrais te clasher sur ton physique, lâcher des punchlines en rafale. Gros, t'es juste un mix entre Roméo Elvis et moi à la squale. C'est vrai, tu le sais. C'est vrai, tu le sais, trouve-toi ton propre style, mec, un peu de dignité, et surtout, ne t'inspire pas d'eux dans ta vie privée. Et parlons de tes cheveux longs, ça te va pas aussi bien que tu l'imagines. Là, j'ai juste l'impression de battle le fils de Philippe Catherine.
T'as la dégaine d'un crackhead et t'en as aussi la laine. Cusco, je viens de changer hors la main pour te tondre toute ta laine. Hier soir, ta meuf m'a sessu. Franchement, j'étais pas déçu. C'est toi Lama, pourtant, c'est moi qui lui ai craché dessus. Cusco, c'est toi Lama, pourtant... Écoute, attends. C'est... Hier soir, ta meuf m'a sessu. Franchement, j'étais pas déçu. C'est toi Lama, pourtant, c'est moi qui lui ai craché dessus. Cusco, t'as le blaze d'un empereur, mais ton empire n'est pas très sûr. Ta meuf, on l'appelle la conquête. Tous mes gars lui sont passés dessus. Time. Yeah. Wow, lourd. On va aller voir les juges. Encore et toujours à Pendel la Mif. Alors c'était pour le freestyle, non, c'était pour le battle Cusco Léo. Et le vainqueur pour moi c'est Léo parce qu'il a été plus fluide et chaque fois c'était costaud. Et, mais les deux très forts, choix très difficile. Et big up. C'est Lax, coach Lax, Victor.lax sur Instagram. Allez me suivre, s'il vous plaît. Rap Contenders, retour à la rue. Je viens juger donc Cusco contre Léo. Moi, je la donne à Cusco. Il m'a plus parlé au niveau du style, du rap, de l'attitude, même si Léo, de l'autre côté, a été plus incisif sur des blagues, sur pas mal de petits pics qu'il a fait sur pas mal d'angles. Moi, dans l'écriture, je trouve ça quand même un peu facile. Donc, c'est pour ça que ce que je recherche un peu plus, c'est ce qu'a proposé Cusco. Du coup, je la donne à Cusco. Yo, straight for our legacy, straight music sur Insta. Donc moi, ma victoire, c'est pour Léo parce que j'ai trouvé qu'il était plus incisif sur la durée. Même si pour son premier battle, c'était forcément, il a moins d'expérience, donc c'était un peu plus saccadé, un peu moins fluide. Là où Cusco, il a été, on voit qu'il a expérimenté, il a été très fluide dessus. Ça glisse, il a l'habitude, ça s'entend. Mais pour le coup, beaucoup moins incisif, même si très très bon, agréablement surpris parce que tous ceux que j'ai vus aujourd'hui étaient quasiment tous des découvertes pour moi. Donc voilà, de manière très neutre, je donne la victoire à Léo. Voilà. Du coup, dernier battle de la soirée, Léo et Cusco. Déjà, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai bien rigolé. Merci à l'organisateur Willy West, big up mon frérot. Beau main event, j'ai kiffé les deux, c'était très serré. Jusqu'à la moitié du battle, j'avais du mal à départager. Mais moi, je la donne à Léo parce que en fait, je savais pas comment forcément juger. Et en vrai, c'est lui qui m'a fait plus rire en fait. C'est je sais pas, il m'a fait plus marrer. Mais les deux sont très forts et c'était très serré. Donc big up aux deux et voilà. Hein.